Quoi que l'on fasse, on se fait critiquer. Quoi que tu dises, on te bavera dessus. Quoi que tu penses, on te dira que c'est mal. Qui que tu fréquentes, on te dira que t'es un con. On s'en moque, car nous, en province, on s'en bat les... Mal que tu sens un malaise en toi, il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi, il faut lâcher prise, allez calme-toi. Quand la tête te fait mal que tu sens un malaise en toi, il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi, il faut lâcher prise. Qu'est-ce qui m'a fait mal cette nuit? Putain, j'ai pas bu plus que d'habitude. Hein. Qu'est-ce qui m'a fait mal? Putain. Bah, 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 bah. Putain, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, c'est une blague à Momo ça! Cet enfoiré de l'eau du PSG! C'est ça qui m'a fait mal! C'est ça qui m'a rendu malade! Oh! Une bassine vite! Oh! Oh, puis j'ai fait des cauchemars toute la nuit, c'est pas vrai. Oh, j'ai rêvé, que j'ai rêvé. Une bande de bras cassés, là, les pieds nickelés, oh, je sais pas pourquoi, là, mais alors... Ils sont pas vraiment les pieds nickelés, d'abord. Ah, qu'est-ce que j'ai rêvé?
d'un petit teigneux. À part, il s'appelait Thierry. Bah, il y avait une infirmière sadique au milieu, là. Il y avait un truc comme ça, là. Et un travelo. Qu'est-ce qu'il faisait, ce travelo? Un travelo qui bossait à Cogolin, là. Un truc comme ça, là. J'ai même rêvé une fois comme mon cher, si je me rappelle bien. Oh, même lui qui me hante la nuit. Quelle nuit, mais quelle nuit, quelle nuit. Faudrait que j'arrête de boire, surtout de cette eau. Roger, Titi, venez un peu ici. Qui s'est chargé de la fabrication du flouze? C'est moi, chef. Tout s'est bien passé? Je me suis absenté 10 minutes. J'avais tellement mal, je me suis appliqué la préparation H. Titi, tu étais où? Mais moi, chef, t'as préparé mon invention. C'est quoi cette invention? Ah, c'est une grande surprise, chef. Ah bon? Oui, avec mon invention, on va se faire un maximum de plaies. Il y a des gens qui sont gentils. Lui, c'est pas qu'il est gentil, il est méchant. Il est profondément méchant. Il y a des gens comme ça. Il est né comme ça. Il est méchant. Et ça se manifeste comment? On prend 10 coups. À ce point. Il y a de la violence. Il appelle ça des câlins. Ah, mon pauvre ami. Je vois que votre cas est très, très sérieux. Bougre abrutie, je t'avais dit de superviser cette affaire délicate. Oh, que c'est délicat. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? C'est quoi, ça, hein? On peut faire un 5 devant, on peut faire un 2. C'est des zéros, ça, tu vois pas? Des 20, des 50 euros. Et le reste des chiffres, imbécile heureux. C'est à ce moment-là que tout a commencé, je pense. Vos cauchemars? Eh bien, je pense que ça chauffe beaucoup là-dedans. Vous avez beaucoup de soucis, donc c'est pour ça. Hein. Je vais t'envoyer à l'île de Ré. Et pourquoi à l'île de Ré? Pour de l'agrandir un peu plus, Kono. C'est bien joli ton invention. Ça fonctionne? Alors ça sert à quoi cette machine, Titi? La machine, elle va servir à faire cuire des saucisses dans de l'œuf. Je m'exprime et je m'explique. Tu prends un œuf, tu le casses tout simplement, tu le balances dans le moule, donc l'œuf il va être aspiré par la machine. Tu prends un pic de brochette, tout bête, hein. Après tu plantes ta saucisse dedans, tu lui mets la saucisse dans le moule, donc l'œuf va cuire sur la saucisse, et quand tu ressors ta saucisse, il y a l'œuf qui est dessus. Donc c'est une invention tout simple. C'est une invention culinaire qui allait tout révolutionner. Culinaire, un seul mot. C'est même pas vulgaire. Culinaire. Elle devait tout révolutionner. Votre cas est préoccupant. Ouais, faut voir la machine, hein. Ça faisait des trucs comme ça, et des trucs comme ça, et des trucs comme ça. Vous êtes sûr que vous n'avez pas pris des champignons la dernière fois? Hallucinant, je vais. Non. On me l'a donné à l'insu de mon plein gré, mais je pense pas. Il va falloir vous reposer. Vous êtes être fragile, madame. Je le vois. Les bras m'en tombent. Mais moi, c'est avec les bras. Si vous saviez ce qu'ils m'ont fait à Cogolin. Cogolin, que faisiez-vous à Cogolin? On m'a forcé à faire des choses qui sont contre nature, contre ma nature. Ah bon? Mais qui? Mon chef.
Eh bien, vous êtes sous la soumission de cette personne. Oui. Comment pourriez-vous en sortir de cette emprise? On ne peut pas sortir de la mafia, madame. Quand on y sort, on y sort les pieds devant. Ah, c'est donc ça. La mafia. On ne risque pas de s'empoisonner? Je dis ça comme ça, on ne sait jamais. Déjà avec Jean-Paul la dernière fois. Tu me comprends? J'ai l'estomac fragile. Il n'y a pas un risque que la machine bug? Non. C'était un genre de sucette aux œufs avec une saucisse. Ah, ben je comprends. Tu as tout prévu pour stocker? On a tout prévu. Vraiment tout. Bref, une véritable andouille avec cette découverte. Je comprends. D'un point de vue d'un cartésien comme moi, je m'incline. C'est quand la machine a bugué que tout est parti en live. Pouf. Cette fois-ci, ça va marcher. Et ça peut que réussir. Et on ne peut pas se louper. Vous savez que les troubles névrotiques se soignent. Pardon? Vous m'avez dit quoi? Les troubles névrotiques, ça se soigne. Allô? Allô? Ça répond ou ça répond pas? Ah! Bon, ciao! Une fois, il ne faisait pas la cuisine. Et le pire restait à venir. Je suis entouré de cassos. Je te raconte pas. Pour exemple, Jean-Paul, après avoir été cuisinier empoisonneur, aujourd'hui il va faire du coaching. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous fait rire? Racontez-moi. Waouh! Il faut vraiment que je note et j'espère que vous allez aller mieux. Hein. C'est un accompagnement personnalisé cherchant à améliorer les compétences d'un individu. Pour faire court, réussir ta vie alors que lui a raté la sienne. Il a une bonne tête de vainqueur. Hein? Ah non, c'est trop beau. La tête qu'il a, ouais, je crois que c'est trop beau. Le neveu de Georges, un copain comme cochon. Je te mets au défi d'en faire autant. Cochon qui s'en dédie. Tu viens chez moi, tu m'insultes, mais pour qui tu me prends? Franchement, vraiment, tu me prends pour un con. Je t'accueille à bras ouverts et tu me proposes quoi? Et je te dis non, tais-toi. Jamais je ne rejoindrai ta bande de pieds nickelés. Alors c'est les retrouvailles? Eh ben oui. J'espère que ça s'est bien passé. Hein. Ouah, plus ou moins, tu sais, hein, c'est pas la vie des rois là-bas. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est mais psy, tu sais que tu nous as manqué énormément. Hein. Oui, ma femme. Et ouais. Mais c'est gentil. Parce qu'avec c'est l'équipe de bras cassés que j'ai là. On parle pas. Tu vois bien que tu vas nous m'aider. Je vais. Et hein? Surtout les cassés. Voilà, et surtout les cassés, parce que alors, t'as Roger l'enclume. Tu vois ce que je dis. Hein, et le Thierry, là, oh là là, n'en parle pas. C'est des... T'as compris ce que je veux te dire? Mais on peut faire cric de notre côté. Ouais, voilà. Hein, voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Il ne faut pas se laisser faire. Parfait. Il faut remonter la pente. Bon alors, il faut se surveiller par derrière. Parce que c'est des faux culs. Ah ouais, ouais. Donc il faut bien les surveiller, ceux-là, derrière. Et je compte sur toi. Hein. Ah, aucun problème. Eh ben alors, pas bon. Bah, les FADA, ils sortiront toujours d'usine. Hein, ah ouais, non, mais ça on en fabrique, on en fabrique, on en fabrique.
Au fait, t'as moi cassé, là. Bon, après, je le ferme. Sinon, c'est pas moi. Jean-Pierre, pour ton retour, et comme t'aimes bien les petits minous, je te offre un petit café avec des petits minous. Je savais que ça allait te plaire. Oh, fatche de coup. Je sors de psychiatrie depuis, je sais pas d'heure. Mais j'espère que je vais voter pour Chirac à la première, comment ils disent déjà, là, ces connards, à la première, à la seconde, à la primaire. Je vote pour Chirac à la primaire, qui m'a dit le monsieur. Ça, c'est sûr. Donc là, tu es tout à fait guéri. Comment ? Tu es tout à fait guéri, donc. Ah, ma foi, tu sais, la guérison, c'est une chose, et puis le pardon, c'en est une autre. Je suis fortement préoccupée. Même dans mon Vidal, je ne trouve pas le traitement adéquat. Car vous présentez tous les mêmes symptômes. Je me demande quel trouble vous avez réellement. Où est mon argent? Georges a reçu une très très grosse somme suite au cambriolage d'une épicerie bio qu'ont fait les pieds nickelés. Une épicerie bio? Ben oui, bio. B comme banane, I comme ignare et O comme orifice. De fonctionnaires, je sais ce qui m'est arrivé, j'arrive même plus pour là. Je sais combien j'allais sucer pour 50 centimes. Hein. J'arrive même plus à m'asseoir. J'ai la bouche comme la force de l'extrême. Le gros qui est gros. Mais ça te périt. Mais ça te périt. Hein. Tu ne pas ça. Tu ne pas ça. Mais quand je pète, je fais des trucs comme ça. Que ça te périt, hein. C'est pas que je pète, je me fais au bras. Hein. Les personnes qui nous regardent, hein. Je me suis fait encore au bras. Quand je rigole, je lâche. Putain, hein. Et encore, je n'ai plus comme la force de... Ils sont inséparables. Le noir s'appelle Mandela, mais le blanc que je vais offrir à Georges s'appelle Flamby. Putain, tu espèce de fonctionnaire, tu me donnes mon argent, hein, pas de chabroute, hein, tu sais ce qui m'est arrivé, hein, je me suis fait défoncer la mâchoire, t'as pas jamais sucé, hein, t'as pas jamais sucé, je peux même plus m'asseoir, que le cul croc comme la porte d'Aix, que ça te fait rire, cascarole. Tiens, va me garer la voiture, hein. Je sais que t'es un fin conducteur. Pas de problème, attends, faut compter sur moi. Non! Oh, le soleil de Cogolin, il t'a fait du bien, hein. Ouais, je parle. T'as bien travaillé? Bien travaillé. Vous avez apporté combien, par exemple? Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est, ces 15 centimes, là? C'est 15 centimes. Ouais. Et c'est ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont tous donné 50 centimes. Ils m'ont dit que ça ne valait pas plus. Ah, putain, j'ai mal à la bouche. Donc, toi, ça va, là, toi?
Tu viens, il retourne à la corde. Il rapporte le double. Ah ben, j'ai pas retourné quand même, hein, comme trop de cul. Il se porte bien, papa. Le soleil, ça y est. Il est vraiment bleu, la chemise. Il est bronzé. Ah, bah, franchement, il a fait affaire. Regarde. Oh. Avec ça, il a rapporté 50 centimes. Mais je m'en sors. Du rayon retourné. Il rapporte le double. Tu prends les quand tu craches. C'est normal, je te lave parce que t'es assez bronzé comme ça. Tu me donnes ou quoi? Roger, une bonne préparation. Hache. Ah, j'ai pas besoin d'un kick. Connu, hachiche. Je fume pas, moi. Pas drogué, moi. Mais voilà. Tu vas bien, ta coupe, hein? Allô? Tiens, les enfants, j'ai une bonne nouvelle. Donc, salut, c'était dans les parages. Ah, super! Il m'a cassé la machine de mon invention. Je suis vraiment très en colère. Je comprends. Ah oui? Sortez votre doigt de derrière et allez m'attraper. Donc, salut, c'est votre jour de chance, il est en ville. Pas de problème, patron, on va s'occuper de ça. Vous faites ça? Beaucoup? Qu'est-ce que ça pense? Ben, je vous sers. Allez. C'est des pertes du bon. Ben, normalement, c'est bon. Là. Si c'est dans la tête de pipi de chat, c'est bien. Votre verre. Il n'y a pas plus gros, patron. Ah, il faut ce qu'il faut. Hein. C'est du Jack Daniel que je vous sers. Donc. Je vais ramener la peine blanc. Je peux en avoir un peu, chef. Et moi, elle n'est pas? Je peux en avoir un peu, non? Il va fêter ça tout seul, alors. Ah putain, c'est vraiment une chose. Ah punaise, c'est vrai qu'il est un peu ravé. Ça s'arrête pas, de pire en pire. Alors le verre est plus grand, mais pour nous... Tenez votre éminence grise. Ouais. Ben à votre santé, ben ouais. On a les autres. Merci, ben tu sais. Ben bien. Et puis oui. Attends, le voir si quand même il reste encore une petite goutte. Ouais. Ouais, c'est bien. Si Roger a laissé... Ouais, ça va, il y a une goutte. Bon. Dommage qu'on ne voit pas avec toi, patron. Ah, pour le faire chercher dans sa huisse, là, pas de problème. Mais pour trinquer un verre, non. Bon. Ouais. À la vôtre. À la tienne. Pas mauvais. Pour toi, t'es pas mauvais, mais pour nous, voilà. Ouais. Je crois que nous, comme c'est l'heure du jeûne, on va aller voir le pastaga. Il est 14h. Ça peut nous l'offrir. Roger, 14h, tu peux me faire boire le pastis. Deux, alors. Deux. Si tu veux pas, deux. Ça s'arrête pas là, comme vous l'avez, je crois que t'étais bien là-bas. Voilà. En plus, ce qui est marqué sur le dos, à 1 km, on peut te voir. T'es entré, patron? Pardon. Avec nos salut, je te trouve que... Ça passe à manger? Pas du tout. Ça serait grave. Ton belle chemise à carreaux, hein? Ah oui. Et ta chemise, par contre... Non mais, patron! Paye! Avec ça, il a travaillé? Oui, c'est 50 centimes. Je te dis n'importe quoi. C'est 50 centimes. Personne n'est parfait, hein. Le patron savait très bien que il était bon. Mais pour 50 centimes, je crois qu'il se fout de ta gueule, quoi. J'étais joli. Qui m'a tous donné 50 centimes. Ça valait pas plus. Je sais pas faire. Avec le grand panneau qui t'a fait le patron et 50 centimes. Ben, ce tropéau de... Tu plaisantes, j'espère. Oh, même slide. Oh, c'est violent. Non, mais il devait... Attends. De même slide. De mes 50 centimes. Et ça, il est où, ça? T'inquiète pas, il va revenir. Il est parti quelques jours en vacances. Hein. Ouais, moi, je pense plutôt qu'il a eu des soucis gastriques. Hein. Il devait partir en vacances et des soucis gastriques. Ça, il nous racontera ses aventures. Patron, je vous garantis, hein, je vais pas chercher notre salut tout seul. Hein. Et Roger, avec habillé comme il est, je vais me faire remarquer 1 km. C'est pas grave. Comment c'est pas grave? Si c'est grave.
C'est marqué... Jésus. Jésus, ça. Ah, c'est drôle. C'est pas qui j'ai une plume qui m'a mis ça, c'est pas Jésus. T'as raison. Y'a que ça qui peut t'arranger. Tu veux retourner ça. Oui, c'est violent. T'as de vrai du grand bien, tu verras. C'est pas 20 centimes que tu vas prendre, c'est 10 centimes ou 1 centime. Tu fumes ou quoi? De l'herbe. Oh, j'ai compris. tu la broutes peut-être en amenant l'herbe. Non, je pas si. Bon, on va quand même y aller. Ramener de Saint-Juste. On va essayer. Ou pas? J'ai pas trop envie, mais il faut bien aller. Hein, chef, vous y allez. Oui, mais pas là. Tu m'as pas gardé la voiture. Hein. Ah, mais je vais y aller. Je vais garder la voiture, sans problème. Mais la chemise, elle va changer. Je ne me trompe pas avec ça. Il la changera tout à l'heure, allez. Soit il la change, soit il va tout seul. Je la changerai tout à l'heure. Allez, j'allais garder la voiture. Non, on va chercher dans sa liste, on ira après, tu sais, ranger la voiture. C'est mieux, je crois, non? C'est mieux. Voilà. Ouais, voilà. Allez, non. Bah, avant tout, Roger, tu vas te changer. Non, mais... Tout de suite, quoi. N'oublie pas que je suis le sous-chef du patron. Oui, c'est vrai que t'as beaucoup d'ambition. On se demandait où était passé Jean-Paul. Sly avait également disparu. Je vois que vous êtes préoccupé par tout ça. Quel malheur. J'avais tellement de choses à faire aujourd'hui. On est vraiment seul dans ces moments-là. Je veux dire, j'ai même pas une boîte d'imodium sous la main. Le supplice des plumes, c'est pour toi. Non. Oui. Mais non. Mais oui. Oh ben non. Ah mais oui. Voleur, crétin, bouseux des Alpes. Je vous fais un chèque. Permettez. Continuez. Il n'avait plus de PQ. Coupure d'eau ce jour-là. Manque de chance. Sa batterie du téléphone était tombé à plat, tout le monde était parti, c'était son jour de chasse. Est-ce que c'était presque une attaque de panique pour vous dans ce moment? Pour lui, oui, pour nous, non. Parce que ce qui est arrivé à Sly, il est arrivé la même chose. Je tiens à vous expliquer. Quand Thierry a fait sa découverte, nous avons été le premier à goûter, à déguster ses saucisses, ses sucettes, ses saucisses avec les œufs. Or, il avait mélangé les produits, il nous a tous empoisonnés. Et donc, les deux qui ont été trop gourmands, c'était Sly et Jean-Paul. Et voilà pourquoi ces deux petits êtres, pleins de bonté, se sont retrouvés coincés aux toilettes toute une journée. C'est peut-être une intoxication alimentaire, tout simplement. Vous n'y croyez pas. Vous pensez que c'est volontairement qu'il vous a rendu malade. Votre profonde conviction. Vous savez, pour moi, pas de polémique, je dirais du tout. Je note. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de batterie, mais qu'est-ce que je fais comme ça? Oh là là, c'est de la merde ça. Allô? Allô? Oh putain, il ne marche plus ce téléphone, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, il n'y a plus d'eau aux toilettes. Ah salon, eh merde. Allô, Jean-Paul? Évidemment, c'est le répondeur, pas moyen de l'avoir. Ouais. Rigole pas, hein. Le patron il attend. Ouais. Fais pas le mariole, dis pas. Le patron il attend.
Assieds-toi. Assieds-toi. Patron, on te l'a ramené. Tiens donc, ordure enfoirée. Fonctionnaire véreux. Comment vous avez fait pour me retrouver? Bonne surprise, hein? Alors, j'attends. J'ai mes sources, des copines, des cagoles, des informatrices dans les centres des impôts et dans toutes les mairies. À Draghi, Sin City, il y a même un nid, ça en est rempli. Un nid de quoi? Un nid de cagoule. Un nid de cagoule. Combien? Combien vous voulez pour me faire partir? Te faire partir? Tu nous prends pour des buses. Mais pas trop. Là, on s'amuse. Ouais, faut que tu braques maintenant. Ben ouais. C'est pour quand? Il va falloir se coucher, il y a une façon de parler, quoi. Les sous. Ouais, or. Non. Copec? Non? Yet. Et si je vous offrais à tous les trois un joli voyage, la destination de vos rêves, ça vous dirait? Le pire oui. Voyage. Tonton Beau? Ou le patron, il s'occupe de toi? C'est un moyen d'aller-retour, bien sûr. Non, mais là, c'est régionalisme. Eh, patron. Un voyage où, tout court? Dans les Caraïbes, peut-être? Celui que vous voulez. Vous n'avez qu'à choisir. Et même, je rajoute même une petite cagnotte. Une visa premier pour tous les trois. Oui, tout oui. Frais payé et illimité. Oui, bien sûr. Alors déjà que le patron, il doit nous payer, et toi, tu vas nous acheter avec ça. Eh oui, mais c'est normal. Parce que l'argent qu'avait le patron... C'est moi qui l'ai maintenant. Oui, mais là, on va pas te lâcher, notre salut. Ça fait 3 ans qu'on te compte derrière. C'est ça. Et le patron, tous les jours, une bassine avec ça. C'est ça ou c'est l'arquebuse? Ou c'est la tombe? Ah ben non. Je fais mon voyage. Ah mais ton voyage, c'est gogolène, toi. Eh, patron? C'est gogolène. Ah oui. Y a plus de PQ, y a plus rien là-dedans. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ah! Alors, qu'est-ce que vous en dites de mon offre? Vous c'est non, patron. Non? Non. Non? Non. Je vais mon voyage au Caraïbes, moi je vais bien partir au Caraïbes. Au secours, au secours! Venez au secours! Allô? Jean-Paul? Évidemment, c'est le répondeur. Je te conseille de décrocher. Pas moyen de l'avoir. Moi, j'avais mon voyage au Caraïbes. Bon alors, ça vous intéresse, hein? Moi, c'est non. Mon offre? Non. Ça vous intéresse pas? Non. Moi, j'avais mon voyage au Caraïbes. Et voilà, et voilà. Patron, c'est fin de courir. Comment faire pour le retrouver? Appelle-moi, je vous donnerai les tickets, hein? Oh, salaud. Oh, salaud. Hé, hey, où ils sont passés mes clés? Mais patron, je sais pas. Ils étaient là. Il y a une seconde. C'est pas toi? Ah, non. Oh, c'est pas qui c'est. On a cru à une vengeance de Titi. C'était pas lui. Il avait perdu les clés. Salus qui a piqué les clés, la voiture, et qui a rangé la voiture de Georges. Et Georges, pendant ce temps, il croit que c'est moi. On a retrouvé la voiture un peu plus tard. Il y a un salaud dans ce monde.
mais je l'aurai. Eh bien, vous êtes en colère, hein? Je vous comprends. En parlant de bagnole, l'autre jour, un copain qui roulait un camion, il a crevé sur la route. Il a voulu changer le pneu, et hop, plus rien. Mais il a voulu changer. Mais c'était où ça? Il a voulu changer le pneu. Ah, mais c'est où? Quelque part en France. Il a voulu changer le pneu, qui était crevé, et hop, plus rien. Tu vois ta voiture, patron? On voit rien. Moi non plus. L'autre jour, il était sur la route. Il roulait un camion. Ouais. Il a crevé. Pas lui, le camion, la roue. La roue a crevé, il a voulu la changer. Ouais. Il a défait la roue, il a voulu réparer le pneu, et hop, plus rien. Pendant son travail, il a pris le camion, il creve avec son camion, il change la roue, et quand il veut réparer le pneu, et hop, plus rien. On a raison. Il n'y a plus rien de quoi. Plus rien de quoi? Le pneu. Il n'y a plus de roue? Mais quel pneu? De quel camion? La semaine dernière, vous pouvez passer. Il était sur la route. Ouais. Il conduisait ce camion après avoir quitté sa voiture. Ouais. Il creve avec son pneu du camion. Ouais. Il s'arrête, il démonte la roue. Il va pour la réparer. Et hop, plus rien. Le camion a disparu. Ou c'est la roue qui a disparu? La preuve, à l'image. Je viens d'avoir une idée pour votre dernier coup, un fait réussi. Je vais vous offrir un repas dont vous vous souviendrez longtemps. Hein. Tu peux pas appeler Sky parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. J'en profite, j'ai mon téléphone. Mais Roger, oui. C'est quoi ce que tu as dans la main là? C'est le kit main pleine. Regarde, vous avez le kit main libre, j'ai le kit main pleine. Ma main elle est pleine. Et donc j'essaye d'appeler Sly. On a du appel, mais. Ça ne répond pas? Ça ne répond pas. Ça ne répond pas, Titi. Chef, ça ne répond pas. Bon. On en rappellera plus tard. Hein. Le problème, c'est que même Jean-Paul, on n'arrive pas à l'avoir. Jean-Paul, on n'arrive pas à l'avoir. Le problème, il est là. Mes amis, mucho. Ah, tu parles d'une invention. Toujours des idées à la con, Thierry. Bien sûr, qui c'est qui morfle? Il y a eu des dérapages, je reconnais. C'est bien de reconnaître ses erreurs. Mes clés, où t'as mis mes clés? C'est toi qui as bousillé ma bagnole. C'est pas moi, patron. C'est toi qui as bousillé ma voiture. Je vais te tuer, je vais t'étrangler, te tuer. C'est tu seras de mort. C'est pas moi, patron. Oui, jamais où? C'est toi qui m'as bousillé ma voiture. C'est pas moi. Je vais te t'éclater la gueule. Envoie les gros luches pour savoir, mais c'est pas moi. Titi avait dû abuser de drogue ce jour-là. Et je sais pas ce qu'il avait pris, mais c'était de la bonne. Hein. Vous consommez vous aussi? Non. De substances? Non, non. Jamais un petit joint de temps en temps? Non. Allô, Georges, c'est Tonton Macou. Faut que tu sois au courant.
Titi et Jean-Paul m'ont demandé une forte somme d'argent. Ils ont 3 mois de retard et j'ai pas reçu un seul centime. Et j'aime autant te dire qu'il va y avoir des représailles. On joue aux cartes, cher. Pas de jouer aux cartes. Tes chiens sont aussi insuqués que toi. Regarde mes pantoufles. Je vais régler ça. Je vous ai réunis, Sarko et Kono. Il y a un problème, qui a fait ça? Sarko, pourquoi tu baisses la tête? Kono, t'as rien à dire, Kono? Tourne pas la tête, Kono. Je t'ai parlé. Qui a fait ça? Qui a touché les semelles du chef? Qui a touché à ses pantoufles? Ah, Sarko, tu peux te cacher, hein? T'as pas honte, Sarko, mais franchement. Et toi, Kono? Hein? Tu baisses bien les yeux, Kono. J'ai que des soucis avec vous. Qui a touché ça? Qui a fait ça? Sarko, retourne-toi. Sarko, ne te cache pas. Ne te cache pas comme tu fais d'habitude, Sarko. Qui a fait ça? Hé, je voudrais savoir. Sarko, s'il te plaît. C'est toi ou c'est Kono? Dénoncez-vous. Hé, patron. Tu commences à faiblir, hein? Je suis l'homme de la situation et l'homme du changement. Avec moi, ça va changer. Ta retraite a sonné. Mais qu'est-ce qui m'a fichu des abrutis pareils? Donc? Tais-toi ou tu subiras le supplice des plumes. Ce que tu me fais subir était bien pire. C'est pas mal à Congolais. Oh, tu veux y retourner? Pardon. Tu veux y retourner? C'est une bonne idée, ça, chef. C'est comme ça qu'il faut que tu le dises, les gens. Trop drôle, en effet. Titi, je te conseille de faire au profil bas. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil. Il paraîtrait que vous avez des dettes d'argent, Jean-Paul et toi. Ça te regarde pas. Tu es mon employé. Tu me dois le respect. Tais-toi, petit biscuit. Espèce d'enfoiré, va. C'est moi le patron, maintenant. Tu m'entends? Et remets ça bien à ton crâne. Parce que le patron, c'est terminé pour toi. Je dois être le chef. C'est le meilleur. Attention, ne me faites pas un délire paranoïde. Savez-vous ce que c'est que le trouble paranoïaque? C'est bon, t'as gagné, je suis un pauvre con. J'espère bien. Tu les as empoisonnés avec tes saucisses et tes œufs. Tu les as empoisonnés. Ah. Aide-moi à me relever. T'es lourd, hein? J'en étais sûr que t'avais quelque chose derrière ton dos. Tu peux rien pour attendre. On se retrouvera. Ah. Je sais pas si je dois vous le dire, mais je pensais que Georges l'avait tué. Soyez en confiance. Expliquez-moi pourquoi cela vous est venu à l'esprit. Je pensais que Georges l'avait tué. Et non, hélas, il a survécu. Georges a quand même du cœur.
Je note ça. Qui c'est le con maintenant? Salaud! Il m'a touché les fesses. Tu mérites de mourir. Non, patron, non. Il n'est pas encore servi. Je me suis fait une petite collection lors de mon dernier séjour à Combolin avec des amis sadomasochistes. Ça peut servir, non? Tu crois pas? Ah, je dis encore une bêtise. Le film que nous. Ça peut servir, non? La nuit et des fantômes viennent me voir. Calmez-vous, le chocobéen. Ça pourrait être grave, votre problème. Jean-Paul, putain, si tu me rappelles pas, tu vas finir toi et Titi en pâté pour chat. Il y en a marre de Stéphane, il y en a marre. Merde de merde. Voilà. On se demandait où était passé Jean-Paul. Jean-Paul? Qui est pour vous Jean-Paul? C'est qui pour vous? Vous êtes des losers et moins winners. Franchement, on t'a jamais dit que tu ressemblais à Borat, mais j'y crois pas. Très drôle, très drôle. So nice. Vraiment? Ça me fait sourire, hein? Et avec ton chien, ça se passe bien avec ton chien? Ne me parle pas de mon chien. Il t'a pas mangé la télécommande, ton chien? Mon chien... C'est un être merveilleux, sensible, aimant. Je ne peux pas te dire comment je l'aime. C'est bien lui qui a mangé la télécommande quand même. Eh bien, je m'en fous qu'il m'ait mangé la télécommande. Baridoule. Est-ce qu'il a ses croquettes? Il a ses croquettes, il ne manque rien. Moi, je t'emmerde. Pas que moi d'ailleurs, puisque tout le quartier se plaint des nuisances sonores que font les toutous du quartier avec ton chien dans ta piscine. C'est du propre, hein. Oh, tu te lèves pas pour m'accueillir? Si tu savais ce qui vient d'arriver. Allez, raconte. Tu veux vraiment savoir? Ah oui. Jean-Pierre, il a vraiment perdu la tête. Hein. Il a toujours été maladroit de ses gestes. Tu sais quoi? Là, il est vraiment fatal. Hein. Je me demande ce qu'il vous prépare pour la suite. Je le sens pas, ce mec. C'est quoi, au primaire, ce qu'il a fait? Il a voté Jacques Chirac. Au primaire, quoi. Il a voté Jacques Chirac. Ah, mais moi, ça n'avait pas rire, parce qu'il ne savait pas longtemps que j'ai sorti. C'est ce temps plat. Oh, au fait, tu me soutiens pour mon projet? Quel projet? Is no good. Je ne t'avance pas d'argent. Je ne le reverrai jamais. Je te connais, n'est-ce pas? T'as passé 4 euros pour me dépanner? Bon, parle plus. Écoute-moi, ça te reposera. Au fait, à propos d'érection pestilentielle, moi quand je vous regarde, voilà ce que je vois. Alors, moi... Je voudrais mettre au centre la commune. La commune, c'est bien. Parce que vous, vous êtes de la ville,
Mais moi, je suis de la commune. Et d'ailleurs, quand on est dans la ruralité, entre voisins, on se soutient. Et puis, c'est bien parce qu'on est ensemble. Ah tiens, d'ailleurs, c'est bientôt la fête des voisins. Et donc, quand on est ensemble, on prend un bout de pain, on prend un bout de jambon, du saucisson, un peu de viande, du vin. C'est très important le vin aussi. Hein. Et là, on est tous ensemble. On mange ensemble autour d'une table. Qu'est-ce que c'est bien les tables? D'ailleurs, je félicite celui qui a inventé les tables. Qu'est-ce que c'est formidable. Donc voilà, la commune, c'est très bien. Voilà ce que je vois, bande de pecnos. Alors je vais te dire une bonne chose. Quand ceux de 80 kilos parlent, ceux de 50 les écoutent. Mais vas-y, avance-moi 50 euros. Je suis un insoumis, mon monsieur. Vous n'aurez rien de moi, c'est clair? Radin que tu es. Touriste. On a retrouvé Jean-Paul coincé dans les toilettes. Jean-Paul dans les toilettes? Eh bien. Appuyez mal à main. Aïe. Il s'était fait au braille. Il avait attrapé la courante. La chiasse, quoi. Gary, j'ai un service à te demander. Et ça, c'est de la part de Jean-Pierre. C'est la guérison, c'est une chose. Et puis, le pardon, c'en est une autre. Je vous écoute. Chez moi, on se découvre. Ah, la tronche! On dirait Borat. So nice. Il faut que tu me sabotes l'invention de Titi. Est-ce que tu as bien compris? Ah d'accord. Ah d'accord. Ah, c'est génial. C'est la vengeance de Jean-Pierre. Exactement. Parce qu'en fin de compte, c'est à cause de Thierry, de Sylvain qu'il est parti en psychiatrie. Jean-Pierre n'a jamais pardonné. Tu vois comme quoi? Un retour de bâton. Un retour de bâton, ouais. Tu payes un jour, tu payes. Exactement. Oh, nous sommes ce dimanche. Allô, qui est à l'appareil? C'était pas un cauchemar. Je fais des cauchemars la nuit. Je vais vous offrir un repas dont vous vous souviendrez longtemps.
L'argent du film, vite! Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je suis ruiné, j'ai plus d'argent. À chercher le faco, mon cher, je me suis ruiné, mais j'ai plus rien. Si tu veux, je fais l'arbre droit, je te jure, j'ai plus rien. Par contre, si tu veux, tiens, prends-toi ça, prends-toi cette bouteille. Amène, bois-toi là à la maison, tu vas te régaler. Qu'est-ce que c'est? T'es sérieux, là? Ben oui. Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain? Ouais, pour que tu m'as pris. Coupe anti-PSG. Allez, loin, Fada, en train de dégueuler. C'est Momo. C'est Momo qui m'a fait boire ça. Momo. Et ouais, c'est ça qui m'a rendu malade. La Provence n'est pas à vendre. Je vais où avec ça, moi? Ah, je sais pas. Où tu veux. Où tu veux, quand tu veux. Donne-moi quelque chose, hein. Alors voilà. Tiens, c'est une écharpe. C'est pour les hivers rigoureux. Tiens, on dirait un petit peu tibétain. Ben ouais, ouais, c'est ouais. Joli, c'est joli. Sûrement, est-ce que c'est beau. Et puis c'est tout tricoté à la main, quoi. C'est superbe. Tiens, ça, l'artisanat local. Ah, bien sûr. Tout à la main. Ah, you in war? Y'a rien, hein! La Provence n'est pas à vendre! Bien sûr qu'elle n'est pas à vendre! Faut pas! Faut la garder! Ah. T'as bien là? Allez! Yes, I! Aïoli! Aïoli! Allez, salut! Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Finalement, je suis pas bien, hein. Moralité, je suis pas bien. Pas une tasse au couille, hein. C'est ça qu'il faut voir. Alors, ton propos vidéo, c'est bien passé? Ça s'est super bien passé, je l'ai passé dans le son. Et puis, je suis très très contente. Eh ben, t'as bien. J'ai eu à peu près une quarantaine de questions. J'ai eu des questions, là, surtout. Sur comment se prendre les premiers soins, comment se prendre les patients, l'emploi de la confiance, tout ça. Et tout à fait. Et j'ai fait toute pratique aussi. Eh bien, c'est bien. Ah, c'est la banque Emma. Allô? Quoi? Le chèque de Don Saluste a été rejeté? Il est en bois, pas possible. Comment? Mais c'est un salaud, un escroc. Ah non, mais il va payer, hein. Moi, j'en peux plus, hein. Il est ignoble, cet homme. Tout ça pour rien. Ça a commencé comment? Moi, je disais... Il n'y a que mon confrère qui peut m'aider. J'ai eu quatre personnes qui viennent pour un problème de papier toilette, de diarrhée et de personnes qui font le tapin à Congolin. Moi, je suis débordée. Oui. Eh bien, c'est une histoire d'argent, une histoire de tapin sur Congolin. Et puis, j'avoue que ça n'a pas toujours de suite dans les idées. Donc, j'ai du mal à comprendre. Mais moi, il me faut du repos, là. Je ne vais pas pouvoir continuer au cabinet. Dans ce que vous avez consulté... Au cabinet, Oui. Vous voyez ce que je veux dire. Dans ce que vous avez consulté, vous ne pensez pas qu'il y a un problème de hiérarchie? Et non. Du coup... Non, 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 je pense que... Un burn-out. Trop de problématiques chez des gens, a priori, normaux. Hein? Mais là, c'est comme une épidémie de troubles névrotiques. Donc je suis perdue. Je ne retrouve plus mon latin. Je peux mettre une solution. Dites-moi. Voilà.
vous analyser. Merci. Est-ce que nous pourrions partir ensemble pour quelques vacances pour nous reposer à la montagne? Oui, oui, d'accord, je vais m'occuper de vous très sérieusement. Merci, confrère. Ça fait 100 euros. Tu l'as payé, rascasse. Ça fait 100 euros, je te dis. 100 euros, tu vas donner les sous. Tout de suite. Ah. Mais non, je n'ai rien, mes poches sont vides. Je vous envoie un chèque. Oui. Mais pas en bois, en plastique. D'accord, très bien. Allô, tonton Macoute? Non. C'est toi, tonton Macoute. C'est le bêtisier. Garde-le pour le bêtisier. Ouais. Oui, allô? Quoi? Le chèque de Don Salluste a été rejeté? Et après... Il est en bois. Oh. Je voulais te le souffler, il est en bois. Pourquoi... Le chèque est en bois. Le chèque est en bois. Ça fait partie du long bêtisier jamais tourné à ce jour. Pour deux phrases. Mais c'est pas grave. Mais non, mais... C'est pas grave, toi.
ça tournait, c'était bon. Tu m'as dit le clap. Non, mais c'était bon, t'as pas dit. Non, mais bougez pas, bougez pas. Là, en fait, en fait, ça fait un bêtisier. Ça fait un moment qu'on tourne, il n'y a pas un bêtisier. Ça veut dire que c'est un pro. Il a fallu que ça y arrive ou comment ça. Un bêtisier, bah, c'est bien. Mais dis le ça, mais tu n'as pas tenu. Mais non. Il a été très discret. Mais non, mais c'est pas très discret. Donc, il était bon, il attendait que tu dises quelque chose pour qu'il parte. Mais c'était parfait. Nous sommes en direct avec Jean-Marc qui nous supporte. Les avraisseurs sont là. Non, mais ça, les ouais, ouais, ouais. Tu fais un bon clap, voilà. Bon clap, voilà. Ah. Ah. Ouais, justement, tu vois, je voulais pas faire le truc. Tu le donnes, se regarder, tu sais, genre, oh, c'est à toi, c'est ça. Ouais.